Je réponds au nom de Astrid Kayoka. Je suis pasteur. J'habite ici à Drammen. Alors, je suis marié à une épouse charmante qui répond au nom de Astrid Mokeni. Notre Dieu nous a inspiré parce qu'on était en Afrique, au Congo, plus précisément au Congo, parce que je suis venu du Congo, Congo Kinshasa. Nous avons planté une église ici, à Drammen, église évangélique, la compassion. Bien aimé, je n'ai pas beaucoup à commenter là-dessus. Je voudrais seulement réveiller votre attention, votre intelligence. Nous ne sommes pas dans le moment, dans la distraction, non. Nous sommes dans un moment où il faut croire en Jésus-Christ. La Bible nous confirme que Jésus est au-dessus de tous les dieux. Alors, c'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous appelle au nom de Jésus-Christ de comprendre cette écriture et de la mettre en pratique, bien-aimés. Si tu écoutes seulement et tu ne mets pas cette parole en pratique, la Bible nous dit que tu es un homme insensé. Mais bien aimé, Jésus recommande pour dire que celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il sera perdu. Il va périr. Parce que là, il s'agit de la mort, bien aimé. Quelle mort qu'on nous parle dans la Bible? Bien, mais nous savons très bien que oui, il y a la mort charnelle, mais il y a aussi une mort spirituelle. Si toi tu ne crois pas en Jésus-Christ, je te confirme au nom de Jésus que tu es mort. Même si tu es riche, même si, quel que soit ton rang social, mais si en toi, Jésus-Christ n'a pas lié, je te confirme que tu es mort. Bien-aimé, si cette terre, je crois, tout le monde a peur de la mort physique, si la mort vient comme ça, l'homme prend fuite pour ne pas rencontrer cette mort. Mais pour la mort spirituelle que la Bible nous parle, les gens ne pensent pas cela. Ne soyez pas dans la distraction. Toutes les bénédictions que nous avons sur cette terre, c'est bien. Mais si tu ne tires pas ton attention, ça sera votre distraction. Ça sera votre perdition. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ que nous prêchons, nous vous invoquons encore à venir, à retourner vers ton Dieu. Notre Dieu nous dit que retourne à moi, votre Dieu. Cherche ton Dieu. Si tu le cherches avec tout cœur, toute âme, il se fera voir à toi. Dieu est celui qui le cherche à tout cœur. C'est pourquoi, bien-aimé, nous ne pouvons pas être dans la distraction.
Nous ne pouvons marcher dans la négligence. Il faut penser à ce Dieu-là qui nous donne chaque fois le souffle de vie. Il faut penser à ce Dieu-là. Il faut reconnaître les œuvres de Golgotha. Où le sang de Jésus et Christ a été versé. Malgré tes péchés, bien-aimé, viens, viens avec ça à Jésus-Christ. Il vous donnera du repos. Parce qu'il nous dit que venez vous tous qui sont chargés, qui sont fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, tu peux avoir une finance là élevée. Mais tu n'as pas du repos, bien-aimé. Notre repos, nous les chrétiens, vient de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je t'invite seulement à croire en ce Dieu-là, Jésus-Christ de Nazareth. Reconnais-toi l'œuvre de Golgotha. Bien-aimé, je vous dis, au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Satan rôde un peu partout, cherche qui dévorer. C'est ça son travail. Il ne veut pas que le monde accepte Jésus-Christ. Lui est là pour donner la distraction au monde. Lui, il est là pour tuer. Toi, tu peux dire que je suis bien, mais non, tu n'es pas bien. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, tu n'es pas bien. Tu es dans la perdition. C'est pourquoi quelque part, l'apôtre Paul nous dit que ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui est en moi, qui vit en moi. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, bien-aimé, tu n'as pas la vie. Tu es dans la perdition. Voilà pourquoi je vous aime avec un amour de notre Jésus-Christ. Parce que ça nous dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour de notre Dieu, bien-aimé. Profitez cette occasion. Profitez cette occasion, bien-aimé, de croire en Jésus-Christ. Dieu t'aime. Dieu aime les pécheurs. Mais les pécheurs n'aiment pas Jésus. Vous faites le contraire, bien-aimé. Profitez l'occasion, comme tu es là vivant encore. Parce que le moment où tu seras cadavre, tu seras mort. Là, il n'y aura pas aussi moyen de croire en Jésus-Christ, bien-aimé. Ça, je vous dis. Même si on va prier pour toi, tu es déjà là-bas, mort. On fait les 40 jours, c'est en vain, bien-aimé. Profitez l'occasion maintenant, comme tu es là vivant. Parce que la Bible nous dit que toute bouche qui va confesser que Jésus Christ est le Seigneur sera sauvée. Hein? Comme tu es là, tu parles. Alors confessez maintenant que Jésus Christ est le Seigneur. Tu viens l'adorer, tu viens l'écouter. Voilà le père là que j'avais au nom de Jésus Christ. Je vous ai transmis ça. Et je supplie de croire en Jésus-Christ, de mettre cette parole en pratique, là tu vas être agréable devant ton Dieu. Que Dieu vous bénisse.